J'ai pris l'exemple de trois opposants. J'ai commencé par Martin Fayoulou. Je dis, mais il n'a jamais reconnu les résultats des dernières élections. Comment est-ce qu'il acceptera ma main tendue? Moïse Katumbi était prêt à faire la même chose. Il avait même fait la même chose, mais grâce évidemment à la pression des siens, il a accepté qu'il rentre dans les institutions, mais lui reste borderline. Joseph Kabila, n'en parlons pas. Lui, il a carrément boycotté les élections et prépare une insurrection, parce que l'AFC, c'est lui. Je sais qui est derrière. C'est pas ma tête qu'il cherche, il cherche la tête du chef de l'État. Et qu'il sache que je ne vais pas reculer d'un seul pas. Pour éviter les appels à l'État. Alors, mais ce que vous avez dit, c'est la vérité. Mais le monsieur a tapé à côté. Mais c'est du n'importe quoi. Le monsieur venait d'être Premier ministre. Le premier siège à Parlement, c'est le Palais de la Nation. Okay. Je rappelle à monsieur Sam Malokonde. J'espère qu'il y ait bien, mais peut-être à Bossanagui. Le premier Parlement a siégé dans le Palais de la Nation. Là, on a déclaré l'indépendance. S'il vous plaît, monsieur Sam Malokonde. Donc, ceux qui siègent, il faut qu'on récupère. Pourquoi qu'on récupère le Palais de la Nation? Faut pas récupérer le Palais de la Nation. Mais c'est ça la vérité. Mais y'a moi, ce que vous pouvez faire. Mon cher, j'ai suivi ce discours. Je me suis posé la question. Est-ce qu'on a fait un bon choix de mettre ce monsieur président Sénat? Camille répond la construction hôpital et à moderne. Il y a quoi là? Ça m'a loupé. Nous pouvons construire un siège à Sika. Il y a parlement. Le peuple, comme on en a quatre, il y a un projet où on a solo et détournement déjà. Mais ça nous coûterait combien en termes de millions? Et puis en temps. Sur le détournement des Jeux aux Alawas. Ça, le monsieur a tapé à côté. Obligé, madame, il va vous mettre à faire à des niveaux par vous. C'est-à-dire qu'il a mis sur le côté. Je vous assure, on a un ministre qui n'est pas dans la magouille. 16 septembre 2024, mesdames et messieurs, en République démocratique du Congo, la rentrée parlementaire a eu lieu aujourd'hui. Donc, députés, vacances parlementaires, Zongeli Misala, c'est une session ordinaire où ils allaient consacrer beaucoup plus à examination, il y a examen à budget, projet, il y a loi des finances. Donc, ils ont évalué, on a 18 milliards de dollars. Mesdames et messieurs, Tokolo Belayango, mais beaucoup plus, ce qui va nous intéresser aussi, c'est les discours inaugural. Dans le premier discours inaugural, il y a président et Sénat, Ouaouti Gozala, Premier ministre, M. Sam Malokonde, Alobini, mesdames et messieurs, Bokoyo Kayango, on a 4 émissions, Oyo. Kasi ce qui budget Gozala 18 milliards de dollars américains, priorité à gouvernement et Sengeli, Ezala Naba, secteur Nini, Tokoyo analyste Nabiso, Nenga Kopé Selayango. Mais aussi, il y a des négociations pour parler de l'insécurité que les Kabongo sont agressés dans l'Est de la République démocratique du Congo, mesdames et messieurs. On a parlé avec Joseph Mbenza, Moko, il y a un communicateur, il y a parti présidentiel UDPS, INDTMB Lelo. Bonjour, mon Amboka, Joseph. Bonjour, mon comité en est. Alors, Lelo, tu as écouté les sources de ma solo et à Mboka. Lélo, le 16 septembre 2024, Tobi qui est rentré parlementaire, il sera le 15, le 15 est tombé dimanche. Kasi Lélo, parlement, ils ont gagné Moussala Nabango. Après, qu'on a la vacance parlementaire, avant tout, quand on a analysé le discours inaugural à l'Assemblée nationale, la Sénat, est-ce que les députés nationaux, Kendagi vraiment vacances parlementaires, est-ce que Bazala Kibongo n'a pas circonscription électorale Nabango? Est-ce que va échanger la population, va suivre déshydrater la population pour bailler en ango bongo en termes de proposition pour passer la plaidoirie dans le gouvernement. Est-ce que aussi quel comment on a député dans le terrain? Na pesio matondo mingi mende comité rendu ndo ya mingai. Mais na ko banana question note sana na pesa matondo mingi na nzambe pour apesi biso occasion ya koyana nzela yeba TV officielle. Otozo senga na ba congolais nyonso. Congolaises, nyonso de partout, même les Congolais à Brazzaville,
même les Gabonais, même les Camerounais, ou les Lingala. Même si je suis français, parce qu'il y a des fois, tu mélanges à ça. Je vais s'abonner massivement à la TV officielle. Très bien. Je vais partager, je vais liker. Je vais faire un mingi. Je vais faire un mot exceptionnel. Tu es un leader, pasteur Gili. Un homme humble et effacé, mais très efficace dans Moussala. Et puis sans oublier la grande. On a bien ramené maman Pascaline. Ouais. On a merci mingi na yope. Merci. Nande konangai le professionnel HD. L'homme qui manipule la caméra. L'homme qui manipule l'image et le son. Na bande konyo so bazola nda biso de partout. Très bien. Ndeko makambolobi est vraiment important. Partout ba ke vacances parlementaires. Mais ba ke vacances parlementaires, il y a le lenge nini. Tozan a 3 mois vacances parlementaires, abeti un voyage. Dans le village, dans la circonscription, il y a 2 mois dans Mikila Poto. Oh. En réalité, ce sont de pratiques qu'il faut condamner. Ce n'est pas de vraies vacances parlementaires. Neko, et ça passe mingi dans mon thème. Tout le monde a une de Willy Michiki, à l'obinga dans laquelle avait nous la mer Méditerranée, nous avons fêté l'anniversaire. J'ai invité mes copains et puis je vais aller, je crois, à Walikale. Je dois Neko moko makambezo le kana moko et puis parce qu'on a le cotro hein. On dit que chaque vacances parlementaires on leur paye 3 mois du coup pour permettre bah on va qu'il y a une circonscription là bango na muke ba baksa likolo. Mais en réalité cet argent sert pour aller faire de la villégiature na Mikila Poto et puis rester ici à Kinshasa dans ba différentes boîtes de nuit. Mais Ndeko Mbenza ba député bele ba boya ba banga ka rokeni na ba circonscription électorale parce que le peuple a commis gourmand. Le peuple a commis la construction de la route, la construction de la pont, la construction de l'école, la construction de l'habiter, alors que ça coûte beaucoup plus aux députés nationaux. Il y a un peu comme un qui m'a roqué de base. Ça, c'est une fausse version, c'est une façon de se justifier. La loi doit être respectée dans son entièreté. Mais ce qu'on a remis toute la question, dans le Parlement, mais on peut se protéger. Quelle est la disposition constitutionnelle s'il est établi que le député a des vacances parlementaires, mais au moment où il a gobé l'argent de la République pour la vacances parlementaires, il n'y en a pas. Il se protège entre eux. Je vous dis, sur 100% des députés, 10% qui sont réellement dans vacances parlementaires. Les restes, ils ont été en Europe, ils ont été en Afrique du Sud, ils ont été à Kinshasa, ils ont conseil rebellé, ils ont été en et puis dans la boîte de nuit. En tout cas, c'est regrettable. Quand on a une école, quand on a un hôpital, mais on est sur la ONG et la fondation de la Bango. Au travers de la fondation de la Bango, ça a une œuvre de la Bango. Mais qu'on justifie que les vacances parlementaires étaient parce qu'on leur demande beaucoup, c'est faux. C'est archi faux. Mais, et là, comment on se fait ça, on a heureusement au Epenglango, c'est comme ça qu'on est habitué à qui est électeur de la Bango. La plupart d'entre eux. C'est-à-dire qu'il faut donner l'argent pour que tu sois accepté. Mais ce que, quand ça fait défaut, et comme on est là, mais il y a des vrais élus, au Bisotoyebi, qui n'ont pas de vacances parlementaires, qui ont des désidératas. Tu as dit que quand vous rentrez dans la circonscription, c'est la famille. Il faut même maman mouquer, c'est tout à fait normal. Mais il y a raison que faut que tu aies une école, tu as un hôpital, tu as un kimi, non. Parce que vacances parlementaires, elles allient importantes. Pourquoi? Au moment du gouvernement, tant qu'on a exécuté un programme, et quand il y a ça, la circonscription, il y a des députés qui ont été là, le programme à 145 territoires, il fallait les capables et les quitter. Mais qu'est-ce que le député fait? A commis en haut. Tant qu'on a rédigé un rapport, à quel côté ça? Tant qu'on a côté ça, un rapport, on a traité en plénière, il y a l'Assemblée nationale, ou bien le Sénat, ou bien à l'Assemblée provinciale, bah, même en sous forme et à recommandation dans le gouvernement. Et ça, c'est important. Parce que même quand on a partout, c'est 2 345 410 km². Mais le rapport du député peut arriver jusqu'au chef de l'État. Le chef de l'État va voir que non, y a inégalité par rapport à l'action. Dans Salimingi, dans le Congo central, mais dans Salimingi, dans Bandundute. C'est là qu'il faut corriger. Mais ceux qui ont vacances parlementaires, ils ont été députés, ils ont été plagiat. Il y a des députés, ils ont été reproduits, ils ont été reproduits. Je me suis dit, comment malicieux. C'est-à-dire, comment déjà, ils ont été mis dans la COP. Ils ont été
oh bazaye na campagne na atini bango kuna bango nde ba otindele certains documents, des papiers, il rédige ici, il va présenter, mais il n'a jamais été là-bas. Très bien. Alors, vacances parlementaires ici, Sili, Moussala et Bandi Lelo. Lelo Batbazala qui est beaucoup plus attentif na discours inaugural, non pas à l'Assemblée nationale, parce que Vidal Kamere, il en a l'expérience, mais beaucoup plus vers Samalou Kone, président du Sénat, parce que c'était sa première fois de se prononcer, de prononcer ses discours comme étant le président du Sénat. Mais bah, bah, retenir Mingi na kati ya discours inaugural wana Samalou Kone alobi, ce n'est pas normal que le Parlement congolais ait travaillé pendant 30 ans de manière provisoire na palais du peuple. Palais du peuple tongamaki pona koyamba Parlement ya République démocratique du Congo té ezalaki beaucoup plus pour des besoins culturels et sengeli na législature oyo gouvernement est doté bongo le Parlement congolais d'un nouveau siège. Mais namoni esali makele le makasi déjà to comme on a toiles enflammées balobe ezali priorité té même ceux qui priorité Samalou Kone auti ko za la premier ministre qu'est-ce qu'il avait fait quand son temps mais on dirait balouke la Félix Makambu chaque jour oh mais il y a solo balouke la mais allo bien pour ani allo bien pour ani allo nzambe na ngai Félix nzambe asunga yo papa oh Samalou Kone problème yo pe dérangé yo non opposant basu yango opposant basu yango bango ba marata pian ba ratakate donc paf bakangi. Je suis venu à la caméra, je suis venu à l'hôpital. Il y a une photo de l'hôpital. Vital caméra à l'hôpital, le Parlement est venu à l'hôpital moderne. Ça m'a fait à l'hôpital, il faut siège. Messieurs, les priorités ne sont pas là-bas. Nous avons un pays où il y a rythme, il y a urgence. Est-ce que le peuple a fait si le parlementaire préavis, il va parler du peuple? Mais le peuple a préavis, il s'appelle à l'État. Alors? Mais ce que c'est là, nous sommes mythes. C'est la vérité. Toloba vérité mais le monsieur a tapé à côté n'habite na ngwa sai la gue discours on a passé à lobi loba mais c'est du n'importe quoi le monsieur venait d'être premier ministre moni elokona le premier siège à parlement c'est le palais de la nation OK je rappelle à monsieur Sam Malokonde j'espère gayé bien mais peut-être abosa nagi le premier parlement a siégé na palais de la nation là on a déclaré l'indépendance. S'il vous plaît, monsieur Samalou Kone. Donc, ceux qui siègent, il faut qu'on récupère, il faut qu'on récupère le palais de la nation. Il faut qu'on récupère le palais de la nation. Mais c'est ça la vérité. Mais il y a un autre problème. Non. Le problème était que, au moment où l'État a coquille qu'on réquisitionnait tout ce qu'il y a comme une utilité publique, droit administratif, monsieur le Premier ministre, l'État pour le besoin utilitaire, il y a battu Nyonso. Peut réquisitionner ta maison à commission au siège à Parlement. Azul au Cotro a libéré. Mais ça, personne n'a donné comme on le dit préavis na Parlement. Na Assemblée nationale. Monsieur Kamere n'est pas le bien. Voyez un peu. Or, avant de faire sortir une telle déclaration, il faut pas seulement on a présent à l'Assemblée nationale. Parce que ceux qui ont sénat le bien en Assemblée nationale et le bamité ont bien ma ridicule. Mon cher, j'ai suivi ce discours, je me suis posé la question, est-ce qu'on a fait un bon choix de mettre ce monsieur président du Sénat ? Kamere pour la construction hôpital et à moderne à Sika. Samalou Kone pour construire un siège à Sika. Il y a parlement. Peuple là, comment on en a quatre, il y a un projet où on a solo, il y a des tournements déjà. Ça nous coûterait combien en termes de millions ? Et puis en temps. Sur la détournement des Jésus à la ça, le monsieur a tapé à côté. Il ne devait même pas en faire allusion parce que les activités culturelles ont été arrêtées et que cet endroit-là est comme un siège à Parlement. Donc il n'y avait aucune raison à évoquer ces choses dans ce sens-là. Deuxième de choses, Nayoki est à l'obéli sur la situation socio-économique à Mboka. Il faut qu'on renforce l'économie, il faut qu'on nous améliore les conditions de vie de la population congolaise. Mais Batubakotuna, est-ce que Samalou Kone a des leçons à donner na Excellence Gilles Simu à Toulouka, quand on sait qu'il vient d'être Premier ministre, qu'est-ce qu'il a fait finalement? J'ai compris que mon ami Alingana Longa Premier ministre était. Alingana Longa était pour Borana Betty. Donc c'est-à-dire, on tirait directement maman Premier ministre. Mais il faut réfléchir à haute voix. Monsieur Samalou Kone, premier ancien Premier ministre. Mais moi je crois à ceci. Voilà un peu ce que je réfléchis moi.
Mais je sens Malokonde en évoquant l'économie dans des termes qu'il a évoqués. C'est comme si il était la première ministre dans mon côté. On dirait aussi qu'on a la wanate. On dirait que vous avez la wanate, on dirait que vous avez un peu de Sénat. Il a été premier ministre de ce pays. Mais monsieur, votre mandat est mi-fig, mi-raisin. Et ça n'est pas net. Neko, tu as un moment sous le premier ministre, monsieur Matata Tampono, va fonctionner dans un salaire dans le 45, le 38. Matata, un an, ça m'a le compte de premier ministre. On avait des paiements en mode d'urgence. Un niveau moko et très là jamais Rosala. Mais c'est lui maintenant qui veut donner des leçons au gouvernement de Madame Judith Suminwa. Mais non. Avec quelle proposition? Il y a pas. Il ne devait même pas aborder ces choses dans ce sens-là. Et au moins qu'ils a place n'a été. Donc ils a place n'a été indéco. C'est la première fois que session ordinaire il y a Senezo Salama. Président de l'Assemblée, il y a Sénat Abeti Libanda, première fois. Mesdames et messieurs, le PKK, première ministre, Excellence Gilles Timina Toulouka, a aussi déposé projet à loi budgétaire, aux autres c'est chiffré dans 18 milliards de dollars américains. Nana Kobanga, autorité budgétaire, ils allaient Parlement, Assemblée nationale, Sénat. Koyoka déjà un projet à Kamere, construction et à hôpital moderne. Koyoka projet à Samaloukonde, de Tebongo, Parlement à siège à Sika. 18 milliards wana par y a peuple Kozala Wapi parce que n'a commis tout la priorité Kozala ba construction. Au Kamere à Zoloba, to Osama Zoloba, to priorité Zalibongo intérêt à peuple nan. Merci beaucoup parce que c'est une question technique toujours expliquée par Congolais. Oyo, Madame Judith Suminwa Akepesa, d'ailleurs je la salue parce qu'elle est courageuse, oui. Elle est ambitieuse, elle est audacieuse. Papa, tu as dit de 4 milliards et puis ça crée la jalousie inutilement dans l'opposition. Maintenant on comprend beaucoup de Kindoki. Mais ça devient de la sorcellerie. Comme avec le professeur Kambay Boacha, la mauvaisité du cœur. Bino Bozala, il a 4 milliards. Oui. Principe, il y a continuité de l'État. Mais Félix, ça même Mabisson a 17, il a 18. Mais il faut encourager. Mais quand vous posez des questions, ce ne sont que des chiffres et vous n'allez jamais réalisable. Mais c'est quoi ça? Mais Bobo Sani, que c'est pour la première fois en République démocratique du Congo, toutes les régies battent des records. La régie financière. Maintenant, ils ont prévision budgétaire. Ils allaient et coquille qu'au coma. Tout comme Pégolé. Il y a un moni, ils ont la Oba Bengaka. Collectif budgétaire, rectificatif budgétaire, et ça, on va bien à la reddition des comptes. Tout ça, ce sont des aspects techniques. Mais c'est quoi le problème, ils ont la 4 budget. Le budget, c'est la rangonka va y que. Ils ont un ministère à budget. Ils ont animé par le ministre d'État, je crois, Boji. Ils ont un service nyonso à l'État. Ils ont en contact avec un ministère nyonso. Quand on a un service d'assiette, l'institution a zuzu à récolter, a commis à traiter. Maintenant, tant que je suis dans le conseil de ministres, je suis bon tabaté. Je suis dans le conseil de ministres, si je suis tout le monde connaît à Koloba, je suis comme bien tu commentes. Oui, bien Zanani. Je suis dans le conseil de ministres. Le grand paquet beau. Doudou Famba. Parce qu'il a bien le leader de la Tchopo. Il y a sa premier président de la République. Il y a sa premier ministre. Il y a sa première ministre. Parce que mon thème, président de la République, il a choqué ma Congolais. Il n'a pas premier ministre. Mon thème, président, il n'a pas ministre de la Finance. Il y a sa politique publique. Il y a un projet. Il y a un premier mandat. Ministre en Koutou, Yagili et Sungangaï. Comment on est à la Guinani? Ou la finance? Na FCC Cash. Célé à la Gouli. A Betabissoba 12 Yaro Saranate. Pour aimer le conseil des ministres, le président dit que ce projet doit être réalisé. Ministre à l'Obi Iyo. Et comme il est à l'Okotro, Mangouezate. Mais le ministre des Finances, c'est le cœur de l'action et puis la réalisation du projet. Tant que l'équipe ministre de la Finance, a bengi DGI, a bengi DGRAT, a bengi DGDA, est-ce que vous avez un
mbongo ngana so ngona pesa mkonza mboka na premier ministre abi iyo balekisi ngo mbala moko madame la premier ministre a juba service ne maketika na bureau assemblée nationale yango esalami mais na esale linano ya 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 mwana mboka Doudou Fomba Libotoi est-ce que vous assure vraiment que akoko kisambongo wana 18 milliards avantage neza lo biaza monsieur 30-50% et 30% ça rassure le congolais. Papa, au long on a un paiement mode d'urgence de 22 à 7%. Il faut ça élomber. Hein? Na ba mafia est installée. Et le bilan y a nanga y a nanga gili. Même na katia ba gouvernement na ba institution. Ben ennemi amboko basali. Monsieur Mitterrand Naya, laisse-moi t'appeler comme ça parce que vous êtes journaliste, c'est une question. Le plus sérieux na gouvernement ni au sol la ministre de la finance. Oh, mais oui, il me t'a dit mimbongo. Comme tu n'as pas l'idée. Bon, que projet Oya Milvest et Katani. Que nota l'Arena, Sony. Que nota la au centre financier, Mondambe si. Voyez un peu. 145 territoires. 145 et Katani, financement Katani. Vous comprenez un peu. Mais nous avons Félix Azan la chance, Mogo son excellence, Yaruzana Doudou Fomba. Ndeko, ce monsieur, il est sérieux, il maîtrise son domaine. Obi que na ogé même procédure par nenge ba nomaye nenge pe ba boyaké pour la première fois. Babi cette fois-ci mon konza mboka bi iyo et puis mon konza ça ya ko sepela. Tout réside tout et ça na mutu ya Doudou Fomba. Omoni 2025 hein. Si to comme en 2028, ce congolais lobi que Félix a sali likambo, c'est Doudou Fomba. Maintenant ngoko loba ke motema ya mokonza mboka ezali bongo. Na Doudou Fomba, c'est vrai que Doudou Fomba en tant que ministre de la Finance. En tant que ministre de la Finance, a conduit ko Luka Mbongo pour na ko financer ba projet de développement, mais tant que Mbongo wana ezobi mapoisa la musala, musala ezosale maté Mbongo wana ezo trouver ba destination mususu. Wana ne soue comme problème. Doudou Fomba osala nini? Wana ce que faut totale la la fin terrible à pouvoir, il y a le gouvernement. Mais oui. Constant Moutamba ba linga babo. Obige, bana mai ba ko beta bor à deux niveaux ba moko tanta. C'est-à-dire que nous sur le côté de l'Olandi. Moutamba, c'est la Makassi. Moutamba, il faut surveiller l'État où ils ont mis. Nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous milliers de terrain. Pour faire des choses, nous avons dit que nous comprendre. Moutamba a bêti 6. Vous comprenez? Oui, tu es mort, nous avons dit que nous avons. Et si le Premier ministre a bêti, il est. Je vous assure, on a un ministre qui n'est pas dans la magouille. Donc justice en taille la paix macamounenge zoleka. En fait, il faut que le président de la République na budget 2025 parce qu'il faut pas oublier. Na ngana bakselo omoko, moni mama Judith Suminwa. Budget na ye, ça 2025. 2024 ça la ki ndamboye, na ndamba sa malukonde. En fait, elle n'avait pas trop de maîtrise sur les paramètres belé. Ouais. Maintenant oyo elle a oyemou dalambi. Oyemou ko lambi. En fait, tombi, c'est que je peux dire elle n'a pas droit à l'échec. OK. Elle n'a pas droit à l'erreur. C'est-à-dire, de la conception, de l'exécution, de la finalité, il faut affunger la misu. Parce que Mokoyo, et ça là-bas, en fait, on a, j'ai aimé pasteur Paul Mukendi, alors on a des esprits qui ont porté des corps humains et qui sont avec nous. Avantage, il y a la première ministre, pas aussi que les ministères à plan. Avantage, il y a un grand maîtrise, il y a un grand projet, il y a développement. Mais je me pose la question, où est passé le vice-premier ministre, ministre du plan? Je me pose la question. Ali Moué. Donc j'ai compris le poste n'était pas pour lui. Bon, excusez-moi, toi, vas approche naï. Il fallait voir ce qui wapi, ma PC ministère à plan. C'est-à-dire le cœur du développement à Congo. C'est lui qui conçoit le projet. C'est lui qui propose. Mais jusque-là, je ne l'ai jamais vu. Ce qui fait Chitoza sérieux en 2025, même tous ses opposants ne diront plus rien. Très bien. Alors, mon amboka, Joseph Mbenza, Tozo le baka li kambouya projet à budget ou déposé déjà na table ya président Vital Kamerhe. Bah député, c'est vrai que ceux qui m'akamako tambo la tête, Fatia Saliboué. Bato ou bako kabola mbongo wana, bako répartir ce togo ba la français facile. Et Zali bongo ba députés nationaux. Na komituna priorité ba repesa na nini parce que bango moko institution na bango na no e consomme makasi aujourd'hui assemblée nationale aujourd'hui sénat aujourd'hui présidence de la république bango ne bazwa ka part ya munene puis au peuple peut-être to sera ba miette
Parce que ma députée au Yafachi, pour ma députée en 2023, et ça ma députée au vraiment Yafachi, y a gouvernance Yafachi. Est-ce que ma Kabolambongo on a vraiment le lien avec le peuple à ce pays-là? Place bitumane bandi. Oyo zo tumbolanga lelo. Oyo nanga nanga na lobate yende mutalingi na loba. Oko loba lelo. Normalement ba norme sengi. Investissement. Yoka bien. Investissement. Et ça la garde deux fois. Obi budget ba kabolango mi balé. Hein? Et ça la oba bengi frais de fonctionnement na ba paiement. Quand on parle de frais de fonctionnement, c'est-à-dire les cabinets, les voyages et tout consort. Et puis paiement de tous les agents publics de l'État, en commençant du président de la République jusqu'au dernier. De l'autre côté, babengango investissement. C'est-à-dire l'État, na budget faut à louer un bon investissement. Construction des routes, des écoles. Il y a une autre partie à budget, et qui est dans le domaine stratégique de l'État, défense et sécurité. Maintenant, de ce domaine, il y a défense et sécurité, babengango mingité. On est un dossier sensible. Mais si le problème est Zanini, ceux qui besoin 50% et qui ont un fonctionnement de paiement, 50% et qui ont un investissement développé même bandit. Mais si Zalara, Moutouna c'est ma kololikolo. Fonctionnement des eaux soignants. Fonctionnement des eaux à 70%. Tant que tu as la cortège à Kamere, au tel cortège à Sama, au tel cortège à Sama, au Zayo. Au Léli Malamoko. Et Zangate, non, bon, monsieur Kamere. C'est là, non, bon, monsieur Kamere. Nanga bon ma premier ministre. Nanga bon ma Samalokone. La personne la plus visée, c'est le président de la République. Je vous dis, mais ce sont des cortèges lourds. 10 jeeps, combien de réservoirs? Tala ba jeep à minene. Balinga pe amikete. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que ça la oba bengi austérité. C'est-à-dire qu'on serré. Pour réduire le train de vie ça à la institution. Monsieur Kamer, il avait évoqué totalé sur qu'on a deux budgets 2025. Pas de voyages inutiles. Il faut que Mukondamboka le bague mutu abimi façon que la bise on a mbongo. Yo même on a 10 personnes à délégation pour tout ça. Au moment de tuto du Chine boy, na salué ya nanga gila beta kiango. Cette voyage de la Chine a énervé la Belgique et l'Europe. On s'en fout de vous. Alors qui maman baya ma Joseph Kabila pour na likambuni te ébiter. On s'en fout de vous les Européens. Aujourd'hui il faut na fumo la ba Congolais, na ba partenaires commerciaux. La Chine occupe la première place, balance et bandit et matière à 20 milliards de dollars. Il y a dans la Guilobi, France, c'est ça combien? 180 millions de dollars. Il y a Pamba. Baza 14e. On est l'autre. Et puis Mbanga, Bilo. Mais pas ça qui est le côté. Depuis que les États-Unis, on a loué l'alliance en Goya Lukuta, mais c'est le côté. Il n'y a rien. Mais la Chine, c'est 20 milliards. Nous avons la Chine, le premier. Nous avons l'Afrique du Sud, deuxième. Troisième, la Zambie. Et puis l'Inde. Et puis les autres pays. France, Aza, 14e. États-Unis, Kouta, Zaté. Très bien. Moi, je suis Joseph Meza. Donc, c'est pour dire, avec le sérieux dans ce budget, parce que nous avons le programme à 145 territoires. Oui. C'est 1,6 milliard de dollars. 760 millions de dollars ont été décaissés dans la première phase. Il faut maintenant continuer. Gratuité enseignement, 2 milliards de dollars. Budget, il y a l'État, loi programmation militaire, c'est 1,6 milliard de dollars. Vous comprenez ma priorité? Et puis, il y a la sociale, il y a la population. C'est là où maintenant, il y a tout mes obanda. Parce que dans ce budget, la volonté du gouvernement, 30% est allé dans l'obanda bengi social. C'est-à-dire, salaire à fonctionnaire à l'État. Dans un pays normal, un fonctionnaire de l'État qui touche 300 000 francs. Mais un mandataire public qui touche 55 000 dollars. Il y a une disparité salariale, une inégalité sociale, il y a une tension à Matanamboka. Il faut qu'à un moment, tous les patriotes, comment ils peuvent se donner des salaires faramineux comme ça? Alors, dans ce budget, il faut tout régler. Il y a un moment, si nous avons des députés sérieux, et puis député Moussala Nabanzani, contrôle parlementaire. On dit que ce contrôle parlementaire est sérieux dans beaucoup. Jules Alingué Tango joue à gaz à Zana. Mais Kamer Alobi, Kamer Alobi, que la législature na bango barozala très sévère dans le contrôle parlementaire. Ah, Ndeko, il y aura 100 millions au Rebimaï, maintenant il faut aller contrôler. Est-ce que vous avez des députés qui ont du caractère dans ce pays? Donc devant enveloppe.
moi la maille yoyaka, moi la maille yoyaka, bolingi boule à 6 personnes. Aucun des contrôles. Alors aucun truc. Côté Pekuna, c'est la barrage, c'est la enveloppe à Kaki. Avant contrôle, le lobby, tu as représenté transport 100 000. Transport, on a bien 100 000. Dans moi, crédit. 100 000. Français changé Mbalamoko. Français changé Mbalamoko. Donc, au fait. On a un rapport avec Kendarawad. Rapport avec Kendarawad. Bacha, on a tiroir. Donc, c'est pour dire 2025, c'était. Et puis ça go. Hein? Ne peut pas avoir de fin. Hein? Bon, le dauphin. Bon, c'est la 2025. Hein? Ne couleur et puis ça me là. Si nous sommes. On dit que nous sommes. Les routes qui sont en train d'être construites. Ah ouais. Sont très sérieux dans le budget 2025. Je crois que le langage va changer. Pour, là, fond la parenthèse. Au moni mboka oyo. Ministre économie a ya lobby, faut réduire prix à ba denrées alimentaires. Oui, produits stratégiques. L'osso, masangu, oui, chincha, viande, poulet, sucre et les autres. Baye qui qu'on remarqué biloko biso to sombara na ba structure ya ba prix. Et ça, la taxe, monsieur, ce côté à l'État est bien côté. Comment expliquer dans un pays, nous étions encore jeunes, toutes les maisons de Kinshasa étaient capables de ressembler à rame ou à poisson. Il y a moins d'une semaine. C'était quoi? 10 dollars? Namboka Oyo. Carton, allait combien? 30 dollars? Ils ont atteint un prix. Parce que par rapport à nos facilement. Mais le carton, il y a moins cher à 60 dollars. Ça ne s'explique pas. Ils sont bien 10 dollars. On te dit qu'ils sont 60 dollars. C'est là où le président et la première ministre, la vice-première ministre économie, ce qui est un niati place, on a constant moutamba, na fouamba. Ndeko, le Congolais va rebosser une élection en 2028. Très bien. Mesdames et messieurs, tu as commis la souka émission à Bissot. Mais au Togo, c'est quand même dans la population, base à la très regardant. DG Asnel, et Sengela Bongisa, qualité le Tiliki, parce que le peuple Sengela a un débat sur proposition et la loi et finance. Parce que depuis le temps, on a discuté sur le budget, et Sengela, le peuple a dit que le député, toi, ceux qui sont députés, Asnel, face à vous, ça n'est pas. Moi, je suis un ami, je suis Oui, donc, au moins, il m'a dit que je me suis photo le Bélango. Le débat, on est fait à la publique. Fait à la publique. Donc, peuple à l'Andelango, madame. Peuple à l'Andelango, Négomit, n'est pas tout le monde. C'est là-bas, député, Molima, Barré. On a huit clos. On a huit clos. N'a tout le monde, il y a image, il y a construction en port en eau profonde. Mais non, ce que l'Ingi Félix, c'est tu es un sorcier. Ils ont monté Mamabé. Ils ont monté acheté. Ils ont monté acheté. Moi, je suis du Congo central. Sur aucun amanda, aux hommes en bas, ils ont délocalisé Kambaki. Vous avez Kambaki? Non, comment est-ce? Je sais ma kilabi bolobarabosa la gueule rotée. A qui n'a pas la Xabino, Pierre, Pierre va déposer. Mais je te dis. Pierre et moi, le président déposati, le nom Moussa les a déposés au baraka. Il y a un moment à Kimine Miki là-bas. Il y a un moment à Kimine. Je te dis, mon cher, je te dis, pour la Congolais, on a construit 1700 mètres à digue. On est en train d'aplanir tel la béton, où est-ce qu'on soit structure, il y a pont. Il y a port en eau profonde. Mais c'est extraordinaire. Très bien. J'encourage, je sais que Pasteur Guilla Lobby, ils ont dépendent maintenant dans Mukonzambo comment organiser la communication. Pour un nom profond, ils ont la Congo centrale. Ils ont la Congo centrale dans le monde. Ils ont appelé le gouverneur Grasse. Bilolo. En tout cas, comment appeler sur place totale. Le Gomit, ils ont appelé sa métaphore, mais je suis choqué par toutes mes vérités. Kabila Zalaki n'est faux en tout. Mais il avait une bonne communication. Oui, le commissaire qui est malade, n'a mis sur bateau. Communication, mais nous pouvons faire ça. Bisous, tu es vrai. Communication, tu es toi, dis ma faux. On comprend la métaphore. Hein. République à maquette, c'est la communication à magasin. Oh, la République à maquette. Vous avez un Guilé à l'attaque. Hein? Vous avez Pascaline Koto, vous avez Joseph Mendes Koto, vous avez Bandego Moussous. Mais Babiloko et Kole Kate, vous voyez que j'étais choqué, ma cambessa mis la prison Satan à ma cala. Mais je ne sais pas si ça a été un peu de temps. Depuis que j'ai un pouvoir au pasteur Guilim, tu as gagné 300 dollars.
Paul Nito Lobat. Nanyoso Lobara. Yaya Nangai, Yem Takabela na 300. Mesdames et messieurs. Okati. Te Akati. Tika to Lobate. Nakati. Oh, Tika. Am te mamalamu Pascal Lingo, Zela. Te Benide Azomona. Yoganon. Yo mon ami ministre après sans ambo. Pasteur Gili Aza derrière la caméra la monia linga kende. Ya on a quand tes missionnaires que nous appelle en 300. Donc écoutez les amis que le micro. Yo ga. Akimi, on a mon a protéger bango. A protéger bango. Pasteur Gili kende là nous te rappelle ça en 300 dollars. A protéger bango. Écoutez les amis que le goya. J'ai pris l'exemple de trois opposants. J'ai commencé par Martin Fayoulou, je dis mais il n'a jamais reconnu les résultats des dernières élections. Comment est-ce qu'il acceptera ma main tendue ? Moïse Katumbi était prêt à faire la même chose, ou il avait même fait la même chose, mais grâce évidemment à la pression des siens, il a accepté qu'il rentre dans les institutions, mais lui reste borderline. Joseph Kabila, n'en parlons pas, lui il a carrément boycotté les élections et prépare une insurrection, parce que l'AFC, c'est lui. Je sais qui est derrière. C'est pas ma tête qui cherche, il cherche la tête du chef de l'État. Et qu'il sache que je ne vais pas reculer d'un seul pas.